Et eh bien bonjour à tous les amis, bienvenue pour l'épisode 18 sur Assassin's Creed Libération. On se retrouve après avoir revu notre très cher Connor qui nous a aidé un peu à évincer le très cher... comment il s'appelait? Davinson, mais c'était quoi son prénom? Enfin bref, George. Donc du coup, il nous a dit que la vérité est sous nos yeux depuis le début, pour l'agent de la compagnie. Donc moi, je vous rappelle ma théorie, c'est soit la belle-mère, soit son compagnon fougueux. Moi, je miserais quand même mes écus sur le compagnon fougueux. Mais bon, c'est l'un des deux, hein. Mon instinct me dit que c'est l'un des deux. Je peux me tromper, mais bon. Voyons voir. Donc en tout cas, ça se fait ressentir, les amis, qu'on approche vraiment de la fin. Oula, découvre ce qu'ils ne veulent pas que tu vois. Ah. Laisse-moi te montrer ma version, celle des Lupitons. Tout de suite. Voici une chose qu'ils veulent te cacher. Je vais te montrer ce qui s'est réellement passé. D'accord. Il est où le citoyen? Ah, c'est peut-être à l'intérieur du coup. Oula, pourquoi elle a sauté comme ça? Je peux vraiment pas rentrer là-dedans. Laisse-moi te montrer ma version, celle des Lupitons. Bah oui, mais je veux bien, mais voici t'es où? Une chose qu'ils veulent te cacher. Attends-là. Oh punaise. Mais où est-il? Désolé, mais j'ai envie d'être tranquille, moi. Découvre ce qu'ils ne veulent pas que tu vois. Mais je sais... T'es où? Tu sais qu'il te demande. Ah.
voici une chose qu'ils veulent te cacher. Quelque chose qu'ils t'ont caché. Ouais. Moi je veux bien, hein, mais il est où? On ne continuera pas la quête principale tant que je ne l'aurai pas trouvé, les amis. Tant pis si la vidéo fait 20 minutes. Enfin, fait 45 minutes, pardon. Sérieux, il est où? Attendez. On va voir là où ça grisille. Il me semble que ça grisille vers là. Voilà, ça grisille vers là. Donc il doit être dans le coin. Chose qu'ils t'ont caché. Mais c'est un truc de fou, hein. Découvre ce qu'ils ne veulent pas que tu vois. Ouais, mais là, vous voyez, quand on s'éloigne de trop, ça s'enlève. Donc il est vraiment dans le coin de chez quoi, hein. Voici une chose qu'il va te cacher. Mais vraiment, je vois pas, hein. Oui. Laisse-moi te montrer ma version, celle des Huditos. Je veux bien voir ta version, mais... Je vais te montrer ce qui s'est réellement passé. J'ai dû forcer sur le porto. Attendez. Est-ce qu'il n'y aurait pas un endroit... Bon, ce qui est sûr, c'est qu'il n'y a nulle part où entrer. Arrête! Je veux pas rentrer. J'ai déjà tout fait en haut, donc c'est sûr que c'est pas en haut. Ah, mais c'est pas possible.
vois vraiment pas. C'est un truc de fou, hein. Ah bah il est là. Wouah. Il était vraiment tout en haut. C'est abusé. Ok. Bon bah s'il est tout en haut, allons-y, hein. Ah je pensais pas qu'il serait tout en haut. Ah mais c'est une femme. Ok. Papa, je ne suis pas... Pourquoi es-tu parti? Je t'aurais épousé si j'avais pu. Tu savais que mon arrangement avec Madeleine était contractuel. Elle m'a convaincu. Si les lois avaient été différentes, pourras-tu jamais me pardonner? Je ne sais pas, papa. D'accord. D'accord. Son père qui veut plus... Bon, c'est pas sa vraie fille, mais... Enfin, bref. Je ne vais rien dire. Bon, cette fois-ci, les amis, trêve de plaisanterie. Allons-y. Aveline, quelle agréable surprise. J'espère que tu as fait bon voyage. Ça, oui. Un voyage très instructif. Aveline, tout va bien. Cesse ton numéro de mère attendrie, agent de la compagnie. Je connais ta véritable identité. Oh, Aveline, je t'en prie, épargne-moi ta colère. Penses-tu vraiment que j'ignorais où tu allais quand tu enjambais ta fenêtre pour grimper sur les toits en pleine nuit? Quand tu jouais la jeune fille délicate devant ton père aimant? Quand tu faisais semblant de te mêler aux esclaves, comme si tu pouvais me cacher ta véritable nature? J'ai raison. Ma chère et douce belle-fille. Si tu es encore en vie aujourd'hui, c'est parce que j'avais besoin de toi. Parce que j'ai encore besoin de toi. Dans quel but? Assieds-toi. J'avais raison, les belles-mères sont toujours méchantes. J'avais raison. Oula. Arrêtez-vous! Il est un peu tard pour cela, ne penses-tu pas? Lorsque mes hommes t'auront abattu, que restera-t-il de ta chère confrérie? Absolument rien. Regarde-nous. Quelle tristesse.
Depuis combien d'années avons-nous œuvré pour le bien des esclaves? Oh, leur esclavage n'a jamais cessé. Tu n'as fait que te servir d'eux pour ton profit. Tu y as mis fin, comme je l'avais prévu. Monsieur de Ferrer avait d'autres projets. À transformer ma paisible colonie en une chose sordide. Tu as bien fait de l'illuminer. Je t'en suis reconnaissante. Je ne te crois pas. Mais je t'aime, Aveline. Je t'ai élevée comme ma propre fille. Je n'ai pu concevoir d'enfant, mais toi, tu m'as apporté tant de joie. Tu m'as menti toute ma vie. Je suis désolée, mais c'était nécessaire. Une mère doit protéger ses enfants. Regarde-moi, maintenant que tu sais la vérité. Toi, toi qui as vécu en secret, qui as occulté ta force sous des dentelles et des jupons, en feignant d'obéir à ces hommes qui te refusent le droit d'utiliser tes dons. Suis-je vraiment si étrange à tes yeux? J'avais besoin de toi pour éliminer les traîtres de mon organisation. Et j'ai toujours besoin de toi. Je ne laisserai pas les assassins gâcher tes talents. Tu m'es beaucoup trop précieuse. Quoi? Comme un vulgaire outil? Je sais quelle frustration tu as pu subir. Agathée, je lui ai désobéi. Si je l'avais écoutée, des Ferrer seraient toujours en vie. Ne vois-tu pas comme nos objectifs correspondent? Rejoins-moi, Aveline. Finis ce que tu as commencé. J'avais raison. La belle-mère. C'était soit la belle-mère, soit le compagnon, de toute façon. Mais c'est vrai que la belle-mère, elle me paraissait un peu suspecte de ne pas savoir. Effectivement, elle a raison. Elle dit que tu crois vraiment que je pouvais pas deviner que tu enjambais les fenêtres les soirs et tout. J'ai envie de dire bah oui. Bah oui, forcément. Agathée. L'élève est de retour. Pourquoi? Quel intérêt as-tu soudain pour le vieil Agathée? J'ai découvert l'identité de l'agent de la compagnie. Oh! Ne l'as-tu pas tué il y a des années? Ce n'était pas l'agent de la compagnie. Oh, tu n'as pas tenu compte de mon avertissement et tu réalises enfin ton erreur. C'était notre responsabilité à tous les deux de le savoir, Agathée. Je n'étais qu'une enfant quand tu m'as accueillie dans la confrérie pour faire de moi une assassin. Tu disais me protéger, éradiquer l'ennemi. Et pendant tout ce temps, Madeleine, ma propre belle-mère, était l'agent de la compagnie. Il semble que l'immoralité soit de famille. Oh, 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 il répond que ça. Agathée, arrête. Tu as perdu la raison. What? Non, c'est impossible. Quoi, lui aussi? Agathée, que m'as-tu fait? L'orgue incarne l'avenir. Quoi? Mais pourquoi je peux pas? Alors, ta mauvaise conscience te hante. Agathée! Arrête! Ce jour-là, quand les marins t'ont attaqué, je n'aurais pas dû intervenir. Je croyais que tu avais l'âme d'une guerrière, comme ta mère. Mais il semble que tu tiennes plus de ton père. Cet esclavagiste est un cireux. Tu n'as pas le droit. Nous devons chercher la même chose. C'est une illusion. Bonjour. Voilà. Non, c'est l'autre que j'ai.
Non, c'est l'autre que je veux. Bon bah tant pis, tu vas y passer. Un mensonge empoisonné. Rien de plus. Il te suffit d'ouvrir les yeux. Bah alors, je peux pas. Allez. C'est chiant. Bon, attendez. Voilà. Je suis pas assez concentré. Voilà. Voilà. Agathe, tout ça n'a aucun sens. Les fragments du disque de Chichen Itza, aide-moi. Dis-moi comment les utiliser. Je t'ai dit de ne plus jamais m'en parler. La connaissance, elle nous détruira tous. Sans elle, nous ne ferons que continuer à tâtonner. Pourquoi ? Ce savoir nous fera régresser. Oublie tout cela, à jamais. Agathe, ne me force pas la main. Le mentor qui m'a entraîné est un homme droit et courageux. Je sais qu'il existe encore. C'est à lui que je parle. Qu'est-ce que j'ai fait? J'aurais dû rester avec ta mère. Tu aurais dû être ma fille. Tu serais devenue une jeune femme normale. Et pas cette abomination. Oh. Va-t'en, Agathe. Fuis. Et promets-moi de ne jamais revenir. Tu me condamnes à une mort lente et vaine, digne d'un lâche. Je ne suis pas Ulloa. Je ne saurais vivre avec la honte. Je... Agathe ! Non ! Il a préféré mourir. Oh là là. C'est honorable. Son dernier acte de bravoure, hein. Entre guillemets, hein. Entre grandes guillemets. J'ai accompli ta volonté. Il est mort. Et le disque ? Jures-tu de faire respecter les principes de l'ordre et toutes les valeurs que nous incarnons ? Je le jure. De ne jamais révéler nos secrets ni la véritable nature de notre œuvre ? Je le jure. Et d'agir ainsi jusqu'à la mort ? Quel qu'en soit le prix, je le jure. Alors, sois la bienvenue parmi nous, sœur. Ensemble, nous verrons l'aube d'un monde nouveau. Un monde dans lequel nous assurerons à chaque chose la place qui lui revient. Tu es désormais l'une des nôtres, ma fille. Puisse le Père de la Sagesse nous guider. Puisse le Père de la Sagesse nous guider. Attends, donc elle est devenue templier ? Alors là, il y a des trucs que j'ai pas pigé là, les amis. Ça se finit comme ça ? Oh, j'ai rien appuyé, hein. Juste pour... Oh. C'est bizarre ça.
Ah, il est là-bas. Alors, comment je peux faire pour aller jusqu'à lui? J'ai tenté. Je m'attendais pas à ça. Mais là, mon cerveau, il est un peu bouilli, là. Donc, on est devenu templier, en vrai. Alors, peut-être que je dois suivre les lumières, là, qu'on voit. Ok, donc, je vais aller là. Ça ne fonctionne pas! Pourquoi ne peut-on comprendre? C'est impossible! Je me refuse à le croire! Toutes ces années gâchées, une vie de sacrifice et... Nous avons tous les éléments, j'en suis certaine! Pardon. Ah, je pensais pas que ça passerait, tiens. Mais d'où? Bon, je me concentre, parce que là, c'est la fin, les amis. Là, je me concentre. Mais j'aime mieux ça, quand même. Donc, elle n'est pas vraiment dans l'ordre. C'était une ruse, les amis. C'était une ruse. Tant mieux. J'avoue que je préfère ça, quand même. Ouais, je me concentre. Voilà. Tellement de gens, je vois rien. Bon, attends, toi. Ah.
Ah bah, c'était Madeleine. C'était Madeleine. J'avais même pas remarqué. J'avais même pas remarqué. Pourquoi ? Tu peux blâmer des Ferrer pour Chichen Itza, mais je vois clair dans ton jeu. Ma fille. Non. Fille ? Seules deux personnes peuvent m'appeler ainsi. Tu as banni l'une et sacrifié l'autre. De la digitale. Tu as tué mon père avec tes soins et ton tonique. Pourquoi ? Parce qu'il ne t'a jamais aimé ? Et Jeanne, ma mère, tu as volé son enfant avant de l'exiler. Tu l'as maintenu en esclavage même après que mon père l'ait libéré. Et maintenant tu essaies de m'infliger le même sort ? Pour le bien de l'humanité. Pour l'œuvre. Le but dans lequel tu as été créé. Dans lequel nous avons tous été créés. Le plus noble des combats. Je ne te suivrai jamais. Eve guidera au cœur du conflit des générations. Grands seront les sacrifices. Grande sera la peine avant que l'esclavage de la race humaine ait pris fin. Le temps est venu de revendiquer notre liberté. Es-tu avec nous ? Je le suis. Eve nous guidera. Eve nous guidera. C'est terminé. Deuxième fin. Ah bah je préfère ça quand même. Je préfère ça les amis. Oh. Que dire. Bon, je pense qu'il y aura quand même un autre épisode où on va compléter certaines choses les amis, parce qu'on n'a pas tout terminé non plus. Donc il y aura un petit épisode bonus pour récupérer les derniers coffres, pour récupérer certaines choses. Que dire ? Ah, je suis mitigé pour ce jeu, les amis. Je suis un peu mitigé. L'histoire principale, je la trouve un peu bof. Enfin, pour dire vrai, je la trouve un peu bof. Hein. Pour dire vrai, vraiment, je la trouve bof. Et moi, j'aime bien toute l'histoire principale autour de Desmond. Et là, je sais pas, c'est... Enfin, je sais pas, je prends vraiment comme une histoire un peu alternative, même si j'avoue que ça m'a fait plaisir évidemment de revoir Connor, mais je sais pas. Ça sera clairement pas mon Assassin's Creed préféré. J'ai au moins quand même pu prendre plaisir à y jouer, même si l'un des gros points négatifs pour moi... C'est vraiment tout le cliché autour de la femme dans ce jeu-là, parce que le côté, oui, j'ai un vêtement pour séduire, un vêtement pour dissimuler, un vêtement d'assassin. Voilà quoi, ça fait le côté, le cliché du dressing de la femme, voilà. Il y a aussi le côté séduire un garde pour l'emmener dans un endroit discret pour le tuer. Le petit cœur au-dessus de lui et tout. C'est clairement pas mon truc. C'est clairement pas mon truc. Ça le serait. Si c'était présent dans tous les Assassin's Creed. Mais là, on a bien vu, par exemple, si on prend Ezio Auditore de Firenze, c'est un dragueur. C'est un dragueur, sauf que ce n'est pas inclus dans la mission. Il drague des femmes, mais c'est dans la discussion, c'est pas dans... Il n'y a pas eu de mission où c'était marqué draguer telle personne pour l'attirer dans un endroit discret, pour le tuer ou la tuer. Donc moi je... Ouais, je suis un peu contre là-dessus. Parce que comme l'a dit Madeleine... Hein, elle a des talents, Aveline, hein, ça c'est certain.
et je trouve que c'est un peu gâcher ses talents que de la réduire à une simple assassin qui drague parfois pour tuer. Voilà, c'est un peu... Alors j'aime bien le fait qu'on ait enfin eu un assassin féminin. Ça rappelle Mata Hari, pour ceux qui connaissent. Ça rappelle Mata Hari. Donc j'aime bien le clin d'œil. Mais je trouve que ça aurait pu être mieux exploité. Ça aurait pu être mieux exploité. Alors la fin, Eve nous guidera à voir ce que cela signifie derrière. Parce que j'avoue que personnellement, je n'ai pas trop compris le sens caché derrière ces paroles. On verra peut-être qu'il y a une cinématique après le générique de fin. Mais bon. En tout cas, voilà. J'espère que cet épisode vous aura plu. On se retrouvera évidemment la prochaine fois pour terminer quelques petits trucs. On verra ensemble s'il restera à terminer ou pas. Et comme à mon habitude, je vais laisser le reste de la cinématique de fin pour rendre hommage au concepteur de ce jeu. Et donc je me tais, et si jamais il y a une scène après le générique, je la ferai avec vous, mais sans parler. Voilà, sur ce je vous fais à tous de gros bisous les amis, je vous dis à demain pour la suite de notre aventure, qui touche à sa fin, sur Assassin's Creed Libération. Ciao ciao!
Thank you.